messieurs, dames, on en est là. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai fait beaucoup de choses en live sur Facebook, du coup j'ai oublié de filmer. Donc c'est pas compliqué. Une fois que j'ai fait ma maison, comme vous avez pu constater, j'ai découpé des rectangles de carton que je suis venu coller. J'ai découpé des petits bouts de carré rectangles aussi pour faire les tuiles. Donc vous trompez pas, moi sur ce côté-là je me suis trompé, mais commencez toujours par le bas et montez une tuile sur deux, etc. J'ai rajouté des petites baguettes pour la cheminée, ainsi que des petits rectangles de carré pour faire des briques qui changeront de couleur après au niveau de la peinture. Et j'ai aussi fait ça. J'ai fait un trou dans le toit dans lequel il y aura une petite lampe et j'ai fait un petit balcon. Donc pareil, là c'est des baguettes qui sont tout simplement collées au pistolet à colle. Et ça c'est un carton tout simplement, le tout est en carton. Donc voilà, et maintenant je vais faire les fenêtres et la porte. Donc pour les fenêtres et la porte, je vais faire en carton aussi tout simplement. La porte, j'ai gardé celle de base que j'ai découpée au tout début. Donc une fois que mes fenêtres seront faites, donc je vais faire très simple, hein, je vais faire des rectangles en carton que je vais coller autour. Je viendrai à l'intérieur fixer des baguettes en bois que je vais planter directement dans les cartons. Et derrière, je mettrai, je sais pas encore, mais je pense que ça va être du papier rigide transparent que je vais coller au pistolet à colle pour faire les fenêtres. Voilà. Et quand tout ça sera fait, je vais peut-être faire un petit tapanti là au-dessus, un petit pare-pluie, en carton toujours, hein, de la même façon que j'ai fait le toit là, collé au pistolet à colle toujours, et on pourra passer à la peinture. C'est parti, mon kiki! Thank you.
Je suis fixe.